Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur un nouvel épisode de Chroma Squad, donc saison 4, épisode 7, incroyable. Et nous sommes partis, chers amis, nous sommes partis, malgré le season final. Et en fait, nous sommes allés à saison 4, épisode 1. Et oui, je vous ai tous feinté. C'était bien marqué épisode 7 pourtant. Je me suis feinté aussi, pour le dire. Donc. Première lettre. Henshin, transformation. C'est ça normalement. Si je me trompe pas, c'est transformation. Hey, salut les gens. Quoi de neuf les Mighty Morphin Playroom? Je voulais juste vous écrire une petite phrase comme ça pour vous dire combien vous. Combien la Henshin Just Imitation Limited adore votre show. On aimerait beaucoup vous interviewer, vous interviewer votre cast et votre équipe. Si vous voulez voir ce qu'on fait à donc Henshin Justice Unlimited, n'hésitez pas à aller voir notre site donc directement henshinjustice.com. J'ai pas compris la dernière phrase. Prenez soin de vous et transformation pour la grande justice. D'être l'équipe de Henshin Justice Unlimited. Pourquoi pas? Merci de donner votre une chance de parler avec votre équipe et votre casting. On pense que vous devriez savoir que depuis qu'on a posté notre interview, nos nombres de vues par page a carrément été démultiplié. On dirait que les gens vous aiment vraiment. Merci encore et transformation. Plus 10 fans, sympa, c'est cool. Shop, on avait vu. Oui, il me semble qu'on avait vu. Ça me dit quelque chose, tout ça. Donc, on va mettre la Defender Shoot. Enfin, Shoot. Et on va aller voir. Il me semble que j'avais justement une armure exprès qui était en trop. Oh, elle est stylée, dis donc. Elle est extrêmement stylée. Ah oui, celle-là, elle baisse l'attaque. C'était là qui était le principal problème. Donc celui-là baisse le counter. La même est là, d'accord. Donc ce que je peux faire, c'est acheter une deuxième. Ouais, on va l'acheter pour Rose, la rose, pour Pinky. Ici on a des choses de plus en plus intéressantes, donc ça faudra y jeter un œil aussi rapidement. Et même très rapidement. Ah! J'avais pas vu celle-là. On a la dague pour le scout, vous avez vu. Parfait! Parfait. Crafting, est-ce qu'on a de nouveautés? Ouh! Voyons voir. Ouh, de l'audience par épisode. C'est carrément classe ça. Voyons voir si je fais ça. Est-ce que là je peux le crafter aussi? Oui. Oui, non. On pourrait lui donner à elle. Parce qu'elle attaque pas des masses au final. Parce que là ça me fait mal, regardez le nombre de points qu'on perd. On va les donner à elle. Et maintenant on va aller voir à quoi ça ressemble. Ah, l'armure est assez stylée mais c'est la même en fait au final. Et le casque est identique. Ok, dommage. Pourquoi pas? Au niveau du mecha, on peut rien améliorer normalement. Enfin, pas plus que ça ne l'est. Si? Non, oui, non. Non, on peut pas changer tout ça. Non, c'est les mêmes. Au niveau du studio, qu'est-ce qu'on a?
Rien amélioré au niveau de la caméra, vacuum cleaner non plus, ça non plus. Bigger Studio, on peut améliorer le Bigger Studio pour 5000 dolls. Ça pourrait être intéressant. Aha. Et au niveau du marketing, on a tout activé, il nous faut juste 2000 fans, donc multiplié par 10 qu'on a déjà, chose qu'on ne peut pas faire. Parfait, bon bah on va y aller, chers amis, on va entamer la quatrième saison, c'est parti. Et on n'a pas le choix, on doit Gaga. La Gaga s'appelle maintenant Lord, le Seigneur Gaga, l'un des généraux de l'univers. Sa mission est de conquérir la Terre, et seuls les bonus rangers peuvent l'arrêter. Mais comment? Max audience 12 000, location dans le lieu, dans la chambre du Cérébro. Partie 1, réussir à faire une team attaque avec 3 membres de l'équipe. Garder tous nos héros debout. Partie 2, détruire 10 ennemis, battre le boss avec un finishing move. Eh ben, on est parti. C'est parti pour la quatrième saison des Bonus Rangers. Cérébro, quand j'ai détruit le booster de godance de Gaga, il s'est passé quelque chose quand j'ai détruit, j'ai détruit le booster de godance de Gaga, et cette pièce en est tombée. Maintenant que tu as fait la réparation et inversé le booster de signal, est-ce que ça pourrait être utile? Permettez-moi. Le Cérébro analyse la pièce rayonnante pendant quelques temps. C'est du matériau alien, un composant rare sur Terre, qui vous sera certainement utile plus tard. Bonne nouvelle alors, mais mais je n'arrive toujours pas à croire que tout ça puisse arriver. Ouais, Pinky. Une machine qui parle, des matériaux aliens et des monstres qui envahissent la Terre. Incroyable. Mais c'est bon de te revoir redevenir normal, White, donc Red, pour le coup. Cérébro, nous sommes prêts à combattre le Seigneur Gaga. Je crois. Vous allez avoir besoin de ça avant tout. C'est un vrai téléporteur qui va vous emmener n'importe où dans la ville. Faites attention, vous pourriez quand même, vous pourriez quand même avoir des petites nausées jusqu'à ce que vos corps y soient habitués. Maintenant, dépêchez-vous. Un vrai monstre menace un groupe d'humains. La dernière fois qu'il a été vu, c'était près d'un site de construction. Le site de construction. Quel cliché! What a cliché! Maintenant je comprends pourquoi toutes les séries utilisent les mêmes lieux de tournage. Donc on utilise juste le téléporteur. On devrait l'essayer après tout, pourquoi pas? Alors faisons-le. Tous au site de construction. Oh, l'animation! Oh, j'aime, chers amis! Ah, c'est stylé! Plutôt dans la journée. Oh, il est stylé aussi, lui. Bonjour, peuple de la Terre, mon nom est... Pumpkin. Punk. C'est pas Pumpkin, c'est Punkpin. Donc c'est... C'est Sirtouille, quoi, en gros. C'est l'inverse, quoi. Mais bon, c'est la citrouille punk. Ouais. Faut que j'essaie de trouver un nom pour ça, mais j'en trouverai pas. J'en trouverai pas. Je suis là pour répandre le chaos et me nourrir de la peur dans vos yeux. Moi, tout ce dont j'ai besoin est de quelques victimes. Oui, c'est un épouvantail en fait, c'est comme l'épouvantail. L'épouvantail rechercha alors pour parti à la recherche de ses proies. Voilà, on va y aller comme ça, ça va être plus facile. Il a capturé des gens innocents dans les rues et les a fait disparaître dans la lumière du soleil. Plus tard dans la journée.
Ah, oh, j'ai mal à la tête. Est-ce que vous pensez que les pharmacies vendent des pilules anti-mal de téléportation? Bon, au moins on y est. Ah, ça commence bien. Ils sont super stylés avec les espèces. En fait, c'est pas des capes, c'est des épaulettes. Oh, la souris. Regardez-moi cette souris, comment elle est trop stylée. J'ai pas lu du coup. Reculez, faiblard. Vous n'irez pas dans les égouts. Ah, d'accord. Alors, il a fait disparaître de la lumière du soleil, donc il les a enterrés en fait, il les a emmenés sous terre. Vous n'irez pas dans les égouts pour sauver les autres humains. Ça répond à ma question. Ah, d'accord, à lui demander où est-ce qu'ils étaient les humains. Rappelez-vous qu'on doit toujours, on a toujours besoin de notre audience pour affaiblir le portail du Seigneur Gaga. Battons-nous contre de vrais monstres face aux caméras. Vous savez quoi, on va attendre là qu'il s'approche. Pipiripiri. Pipiripiri. Pipirip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 iri. Allez. Ah, j'en ai fait un de trop peut-être. Apparemment j'en ai fait un de trop, c'est dommage. Bon, on va améliorer ça, y'a pas de problème. Je peux encaisser ça. Oh, il a heal, génial. Ouais, d'accord, c'était un de trop. Et boum! Voilà! Et boum! Juste pour voir, est-ce que je vais perdre 300 ou pas? Wouhou! On s'est plutôt bien débrouillé. On a gagné! On peut vraiment le faire! On devra fêter ça plus tard. Maintenant, direction les égouts. C'est vachement cool. J'adore. J'adore la tournure de l'histoire, en fait. Ça m'appelle beaucoup, chers amis, en fait, un petit peu, quand même. Je vous le dis comme ça en passage, hein, voilà. Donc vous pouvez aller faire des recherches sur internet, aller trouver à mon PDF normalement. Attention, c'est pas forcément très légal, mais bon. Écoutez, je vous le dis, c'est une excellente BD, donc c'est basé sur l'univers de Superman un petit peu. C'est Superman, l'identité secrète. Il me semble que ça se passe en deux volumes. Je vous conseille d'aller le voir, en fait, c'est un peu l'inception, entre guillemets, comme ça. En fait, c'est une famille qui a décidé, qui s'appelle, qui sont les Kent, et qui, pour la blague, ont décidé d'appeler leur enfant Clark. Et donc il va vivre avec ça toute sa vie, etc., etc., etc. Sauf qu'un beau jour, pour le déguiser, enfin un beau jour, il va se retrouver avec de vrais pouvoirs, tout simplement. Donc sans les défauts de la kryptonite, parce qu'il n'est pas extraterrestre, il va simplement se retrouver avec les pouvoirs, les mêmes pouvoirs que Superman. Et donc, je vous dis pas comment, je vous dis juste comment ça va se passer. Et ben toute sa vie va se baser sur ça et sur la façon dont il va le gérer lui en tant qu'humain différent et pas en tant qu'extraterrestre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, l'intégralité du comic, de la BD, se base sur cet aspect, comment dire, cet aspect, ben, mélange entre vrai et faux. C'est-à-dire que par exemple, ses amis, à un moment, vont le faire rencontrer des Lois Lane, et les amis de la Lois Lane vont lui faire rencontrer des Clark Kent, etc., etc. Donc vraiment, c'est un peu pas mal, c'est vraiment pas mal, parce que c'est le petit côté, en fait, c'est un aspect hyper réaliste qui devient BD, en fait, vous voyez, c'est la limite, c'est un peu la limite entre le vrai et l'univers de la BD, en fait. Un peu comme là où c'est la limite entre le vrai et l'univers des Power Rangers, des Sentais. Donc voilà. Voilà pour la petite information. Les victimes de l'épouvantail ont été emmenées donc, dans sa cachette et enfermées dans une cage d'épouvantail. Pourquoi pas ?
Oh, je sens qu'il va y en avoir dedans qu'on va pouvoir embaucher. J'aimerais bien en tout cas. Humain, je vous souhaite la bienvenue dans ma cachette. N'est-ce pas une belle place pour vivre? Ou pour mourir, moi? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de flash mob? C'est presque trop drôle. Oh, l'odeur! Je me demande pourquoi les monstres ont choisi cette place, cet endroit. Attendez là. J'ai ressenti des intrus. On doit retrouver les gens que le cérébro nous a, dont le cérébro nous a parlé, rapidement. Regardez, je crois qu'il y a un groupe de gens là-bas. On est là pour vous sauver, ne vous inquiétez pas, tout se passera. Bonus Ranger, attention! Bien, bien. On dirait que nous avons quelques jouets pour nos petits jeux. Un peu plus de jouets pour nos petits jeux. On n'est pas là pour jouer à un jeu, qui que tu sois. On est là pour sauver ces gens. En fait, j'ai changé d'avis, vous êtes ennuyant. Vous êtes embêtant. Mon nom est l'épouvantail. Et... This is my... Ouais, donc ici. Et voici ce que je vous réserve. Prenez ça! On va dire ça comme ça. Ouh! Ouais, mais elle, je la sens bien. Alors c'est tout? Je croyais que vous étiez sur le point de me battre, mais c'était une blague. Où crois-tu aller? On ne s'est pas encore battu! On ne pourra pas sauver la Terre si on reste au sol! Debout tout le monde, combattez! T'as raison, White. Levez-vous et levons-nous et combattons. Pinky, Yellow! Par le pouvoir de l'amitié! Moi, c'est bien. C'est par le pouvoir de Lady X-Ray. Et. Il est temps, Volus Ranger! All hail Marcus! Pip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 
Ah, je suis hors de portée, c'est dommage. Teamwork. Ça se passe plutôt bien, ouille. Raté. Mignon. Ah, c'est cool le mouvement qu'il fait pour les faire pop. Ah, puis il fait apparaître derrière lui, c'est super stylé. Oh, joli. On va tous les faire reculer. Hop. Voilà. On heal tout le monde et on va attendre qu'ils arrivent. Non. Si, je peux le toucher. Je peux le toucher. Parfait. It's Cliff Time activated. Je connaissais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'était. Cliff Time. Ouh, ça prendra. Enrage. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on pourra pas faire venir. Ah, je vais le faire venir là. Parce que Black aurait pas pu y aller, voilà. On va attendre qu'il revienne, il va s'approcher. Voilà. C'est parti. By the power of X-Ray. Pip 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 pip. Boum. Cependant, on n'aura pas eu tout le maximum d'audience, c'est dommage. Vous devez être les protégés de Cerebro dont le seigneur Gaga m'a parlé. Vous me retrouverez dehors. Dans ma seconde vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant on avait une. Je veux dire avant on avait une ville miniature. Comment on peut battre un gigantesque monstre pour de vrai? Avant tout, nous devons sauver ces gens. Je sais pas pourquoi, je sens que celle-là, elle est pas... Laissez-moi vous essayer de vous sortir de vos cages. Square House Kick, c'est tellement stylé quand il fait ça. Ouais, ça a marché. Je vais pas vraiment penser que ça pouvait marcher, mais ouais, génial. On doit croire en ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons. C'est la clé de nos pouvoirs. On doit y aller maintenant. Mais on reviendra pour vous sauver, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passera si on imagine que notre playmaker est vrai, est réel, et que nous nous téléportons? De la même manière, tu veux dire de la même manière que quand on s'est transformé? Bon, ça mérite un essai quand même. Playmaker, activation! Wouh! Ça a marché! Bim! 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 J'entends encore ma chance! Bim! 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 Défendre. J'encaisse, parfait. Parfait. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau personnage qui arrive dans l'équipe, moi. Oula, celui-là, je l'encaisse aussi, génial. Bim. 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 Raté, dommage. Tant que ça dépasse pas les 10 000, on est bon. Et on a une régène de 10 000 par tour, donc ça va. Ah non, on l'a pas là. C'est uniquement quand on choisit, d'accord.
Bim. 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 On défend. Bim. Bim. Tu ne mourras pas. Perfect. Oh, c'est bon ça, chers amis. Bim. 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 Oh, raté. Oh. On prend des dégâts. Ça va, on a une grosse régène à la fin. Dès que je vais lui mettre une bifle, il va avoir une grosse régène. Hop, on peut se permettre. Bim. Ça prendra. Et hop, 10 000. Bim. 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 Raté. Perfect. Awesome. 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 Ça se passe plutôt bien, chers amis. Bim. 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 Et bim. 28 000, on est bon, chers amis. Ça touche. Je peux savoir combien de danse on a fait. Ça m'intrigue. Et on se re-téléporte. Ça a marché. J'ai encore du mal à y croire. On est revenu me sauver comme nous l'avons promis. Vous êtes les premières personnes que nous sauvons dans notre voyage. Ce qui s'appelle notre aventure. Est-ce que vous allez bien? Dites-nous vos noms, comme ça nous ne vous oublierons jamais. Amanda Ford. Faut peut-être que je note, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je note. Amanda Ford. J'ai du mal à imaginer que vous puissiez être vrai. Je suis tellement un grand fan. César Ralph. Merci les bonus rangers. Nous sommes ceux qui ne vous oublieront jamais pour cette journée. Chris Lindsay. Du coup, moi je les oublierai pas non plus. Vous avez sauvé nos vies, merci encore. Ah, je savais bien qu'elle était particulière. Et à propos de vous, mademoiselle? Vous avez été drôlement silencieuse. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas être si dur. Je suis Tammy. Ah, Tammy, je suis sûr qu'elle est avec nous. Je ne pense pas que j'oublierai jamais un jour cette journée. Enfin, je n'oublierai jamais cette journée. J'ai l'impression que c'est un grand moment. C'est un moment vraiment très important pour nous tous. Vous allez changer le monde, Bonus Ranger. Je sens que celle-là, elle est géniale. Wow. T'es cool. T'es très très cool. T'es très 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 cool. Je suis Green, d'ailleurs. Hydrag, ça y est. Ah bah non, Hydrag. Ouais, ravi de te rencontrer, Green. Et est-ce qu'on n'est pas censé avoir des identités secrètes? De quoi tu parles, Black? On passe tous à la télé. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? J'ai vraiment besoin de prendre la main, je te comprends. Bon, voilà un épisode qui se tourne bien, chers amis. Génial. Ouh. Et B, ça fait de la nouvelle saison, ouais. C'était parfait. J'ai appris les chansons de... J'ai appris les paroles de la chanson. Senshi sodate akuota ose yoritsu yoi subide kachi agare. C'est triste que je la fasse aussi bien. Hé, hey, toi, regarde les bonus rangers. Parfait, cool. Excellent. 1000 fans et 10 000 de crédits, quoi. On passe à un plus grand... Donc on a rien de nouveau de ce côté-là. De ce côté-là non plus. Shop. Au niveau de l'armement, on a rien de nouveau. Cependant, au niveau du studio, on va améliorer quelques petites choses. Hop, les... Ouh!
Ouh, c'est bon ça. C'est bon tout ça. On va être en full HD en plus, c'est génial. C'est absolument génial. On a reçu une lettre. Merci les bonus rangers. Haha. Les mots ne seront... Je n'aurai jamais les mots qu'il faut pour vous remercier suffisamment pour ce que vous avez décidé de faire, White et l'équipe. J'ai toujours su que vous n'étiez pas juste des stars de la télé. Il y a quelque chose de spécial à propos de vous. Les gens que vous avez sauvés aujourd'hui, je m'en rappellerai. Oui, oui, on s'en rappellera tous. Merci pour nous de l'inspiration que vous donnez pour combattre le mal. Green Manit de dire bonjour. bonjour à toi, Green. Green est une femme, mais je n'ai aucun problème de ce côté-là. C'est intéressant de voir qu'un studio indépendant, en tout cas, n'hésite pas à mettre la main à la pâte dans cette question. Donc, on a dit Mean Friend, donc d'accord, il n'aide. Alors là, c'est quoi Fan Club? Ah, c'est intéressant ça. Oh, ça c'est balèze aussi. Alors, j'hésite entre ça et ça. Je pense qu'on va mettre ça. Toujours ça le prix sur l'audience. Hein. Alors là, nous avons multi. Non, pardon. Cool invention, donc ça pourrait être cool aussi. Ça c'est cool aussi, ça je vais mettre ça plutôt, clairement. Shot of courage, donc cri du courage. Les deux se valent. Je vais mettre celle-là, vu que j'ai un gameplay plutôt offensif. It's cliff time. D'accord, ça c'est cool. Ah, ça pourrait être intéressant parce qu'il va courir en fait. Il va se déplacer plus vite, ça pourrait être intéressant. Les deux sont intéressantes. Ah, je vais mettre celle-là pour l'essayer. Et ici nous avons donc l'invisibilité ou les gros réflexes. Oh, ça je prends. Parfait. Parfait, chers amis. Parfait, parfait, parfait. Alors, métal et gold duct tape. Je crois que je dois pouvoir les crafter ces trucs-là. Vous allez me dire pourquoi tu fais ça, Marcus? Bah, simplement parce que je me suis rendu compte qu'on frappait pas assez fort. Alors, Alien Cardboard et Gold Duct Tape. Pourquoi pas? Bon, et bien les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoins dans le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On pourrait retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!